Bonjour à tous, moi c'est Jessica et aujourd'hui on va parler maillot. Non, je vous rassure, ici on ne va pas parler foot, mais on va bien parler de maillot de bain car l'été approche et la saison des plages avec. Personnellement, j'adore cette période. Le soleil, la mer et surtout la recherche du fameux maillot de bain qui sublimera votre silhouette. Je vous emmène faire un tour d'horizon des maillots de bain qui marqueront la saison. On commence par la pièce phare de l'été, celle qui va faire fureur et que l'on verra partout. Le maillot de bain, une pièce. Vous pensiez peut-être que le maillot de bain était réservé aux nageuses. Eh bien, détrompez-vous. Au contraire, il n'a rien à envier au bikini. C'est un des seuls maillots de bain qui conviendra à toutes les morphologies. Je vous propose de découvrir ensemble mon modèle préféré. Le maillot de bain, une pièce kaki, légèrement ajouré comme vous pouvez le voir. Avec un joli décolleté en V, il est parfait pour se la jouer sophistiquée au bord de la plage. Il existe aussi en noir. Pour moi, c'est un indispensable. Vraiment, c'est un peu comme la petite robe noire. Un autre modèle que j'affectionne particulièrement est celui-ci. J'aime beaucoup en fait la découpe échancrée qu'on peut voir ici et aussi son côté légèrement pailleté qui va être très joli au soleil, qui va vraiment donner une allure chic et élégante au bord de la piscine. Je précise aussi pour celles qui ont un petit peu peur de la couleur, il existe aussi en noir avec des imprimés fleuris, très joli aussi. Nous avons également ce maillot de bain, qui est très tendance avec cette ceinture ici, ce qui revient beaucoup cet été, et avec la coupe bustier, comme ceci. Il existe également en noir. Nous avons aussi celui-ci, le maillot de bain jaune. Alors la couleur, elle est canon, surtout si vous êtes bronzé, avec de jolies bretelles tressées. Ce qui est sympa aussi avec le maillot de bain une pièce, c'est qu'on peut le porter avec un petit short. Par exemple, un petit short en jean ou un short comme celui-ci avec de jolis détails de broderie, etc. Je vous propose de passer à une autre pièce qui va être essentielle également à votre dressing de vacances, le bikini. Alors celui-ci est vraiment parfait pour le bronzage. C'est à vous de le choisir en fonction de votre morphologie. Si vous avez une petite poitrine, alors optez plutôt pour un maillot de bain triangle avec des fines bretelles. Si au contraire vous avez une poitrine plus généreuse, à partir du bonnet C, je vous recommande de prendre un maillot de bain avec des baleines. Si vous avez les hanches très marquées, évitez les maillots de bain avec les côtés qui vont être très fins. Ça va au contraire accentuer les hanches et c'est vraiment pas le but. Si vous avez une morphologie en H, c'est-à-dire que votre taille n'est pas marquée, à ce moment-là, vous pouvez partir sur des culottes taille basse, voire des shorties. Si vous avez une morphologie en V, c'est-à-dire que vos épaules sont plus larges que vos hanches, à ce moment-là, je vous recommande de choisir des maillots de bain avec des bretelles droites. Évitez les bandeaux. Si vous êtes un peu plus forte, alors choisissez des matières plus épaisses, voire doublées. Quant aux rayures et aux imprimés, il faut savoir que ça grossit. Une règle, se sentir bien dans sa peau avec le maillot de bain que vous aurez choisi. Je vous propose de regarder quelques modèles de bikini qui vont faire fureur cet été. Tout d'abord, on a ce petit bikini que je trouve très sympa. Déjà, j'adore la couleur. Le détail du nœud est vraiment très sympa. Et il y a un rappel en fait sur la culotte qui est coordonnée. Alors, les fleurs sont hyper tendance pour cet été. Nous avons ce petit maillot de bain. La coupe est vraiment très originale avec une découpe en fait ici qui passe en dessous de la poitrine. Si vous avez suivi un peu les tendances de cet hiver, le Vichy était partout. On le retrouve du coup sur les maillots de bain. Dans cette version ici, rouge et blanc, avec des petits volants. Très joli, avec la culotte assortie et des petits nœuds en fait sur les côtés. Un autre modèle, il existe en plusieurs couleurs. On retrouve les volants qui sont très tendance cet été. Ça va apporter vraiment une touche très féminine. La coupe en fait fait que ça met vraiment en avant votre poitrine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je suis prête, j'ai fait ma sélection de maillots de bain. J'ai laissé les liens de tous les produits que je vous ai présentés en dessous de la vidéo et je vous invite à me dire en commentaire quel modèle vous plaît le plus. Et puis je vous dis à bientôt sur la plage.